surtout à la classe politique burundaise en particulier, la population en général et la classe politique en particulier, sur l'impasse possible si on analyse les défis actuels du pays qui restent sans solution concrète et évidente. Tenez, dans le classement récent, le Burundi a un PIB dangereusement bas, un PIB par habitant dangereusement bas, d'au moins de 300 dollars par habitant. Le dernier avec le Sud-Soudan. La faim et la malnutrition, c'est une évidence. L'inflation, aujourd'hui, l'épidémie de malaria, plus de 8 millions de cas. Dans les deux premiers mois, environ plus d'un million de cas, avec des décès. La ministre de la Santé a crié haut et fort. Les premiers de l'éducation. L'éducation dans l'impasse. Il y a des enfants qui n'ont pas pu continuer. Il y a des problèmes de postes fondamentaux, il y a des problèmes au niveau de l'université. C'est un problème. La crise des devises, qui est toujours sans solution aujourd'hui. La crise de l'énergie. On est dans un mode de délestage dans la saison des pluies. Qu'a deviendra la situation pendant la saison sèche? Le chef de l'État a arrêté sur qu'on va utiliser la bougie très prochainement. La corruption dans l'administration, la faiblesse de l'administration, le dérèglement de l'administration. Quand le ministre de l'Intérieur dit que la question liée au cycle dépasse, la population qui expose, solo des réfugiés burundais qui sont avec les données du HC, même si les Burundais quittaient le pays sous des raisons sécuritaires ou avec la suite aux motifs de conditions de vie. De toutes les façons, on voit que ce sont les Burundais qui fuient le pays. Et aucune politique de développement n'est en train d'être mise en application. Alors qu'il est en train de gagner avec cette situation, c'est de la classe politique burundaise qui doit savoir qu'elle doit faire un effort. Parce qu'actuellement, on voit en elle un sentiment d'égoïsme, un comportement de bas étage, un comportement égoïste. Et certains, soi-disant qu'on est dans une démocratie, il y a plusieurs esprits qui considèrent que dans une démocratie, seules les élections suffisent, qu'on est autorisé à tout faire si on est élu par la population. D'autres affichent une impatience d'arriver au pouvoir. Et tout sera sur le lot, sur les conditions de vie mauvaises de la population. Et on appelle qu'environ plus de 99% des Burundais vivent avec leur souhait quotidien. Ils ne doivent pas être pris en otage par une poignée d'hommes. Et nous interpellons aussi la conscience des Burundais qu'en matière de géopolitique, le Burundi, ce n'est pas vraiment un pays très riche, un pays qui suscite des enjeux au niveau de la communauté internationale. Si on n'affiche pas une volonté de tirer ce pays des affres, des affres de pauvreté, d'insécurité. À l'East African Community, le Burundi, elle a une signification moins importante. Elle n'a pas d'importance beaucoup plus visible à l'East African Community. Sur un PIB d'environ 150 milliards de dollars, le Burundi représente combien? Moins de 3 milliards. Au lieu d'y aller avec un esprit de compétition pour donner notre valeur ajoutée, pour montrer ce dont nous sommes capables, nous exporter des problèmes dans cette communauté. Et moi, l'appel est lancé. Il y a en général, au Burundi en général, et à la classe politique en particulier, parce que si l'effort de paix ne vient pas d'eux-mêmes, ce n'est pas la communauté internationale qui viendra trouver la solution.